Hello les gens, hello, hello. J'arrive, j'arrive, ne vous inquiétez pas. Ah, ça m'a manqué de stream. Ça fait juste une semaine que j'ai pas stream, mais. Enfin, non, du coup, 2 semaines. Mais. Ne vous inquiétez pas. Hello, hello. Hello les gens. Enfin. Ouf. Pardon. Bon. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très, très, très bien. Salut Kaira, comment vas-tu? Je suis sombre là. Peu mieux? Non, je vais augmenter la luminosité, je pense. Je vais bien. On va augmenter un tout petit peu peut-être la luminosité pour que vous me voyez un peu mieux. C'est mieux comme ça? Vous me voyez un peu mieux? On a dit tu. Il y a rien derrière toi. Ah! Alors, c'est parce qu'en fait, dans la soirée d'il y a 2 semaines, en fait, les trucs se sont. Non, même pas. Si, si, ce dimanche dernier, les trucs se sont décrochés dans mon mur. Alors, la pâte à fixe n'a plus tenu, c'est tombé. Du coup, j'ai un peu la haine. Et même mes LED sont en train de mourir là, genre. Ils sont même pas assez éclairés. Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier un truc. Attendez. Attends. 2 secondes, parce qu'il y a même temps, il y a. Il y a. Déjà, la musique, je pense qu'elle est un peu forte, du coup, je vais la limiter déjà. Mais après c'est vrai que j'ai un bon micro maintenant. Oui, parce que j'ai changé de micro. J'ai changé de micro et je suis heureux. Et je suis vraiment heureux. Je me suis pris un petit Elgato Wave 1. J'ai pas pris le 3 parce que il était un tout petit peu trop cher. Mais je suis heureux. Comme ça, moi, je n'ai pas besoin d'acheter des interfaces audio. Là, le prochain truc que je pense que je vais acheter, c'est un trépied pour ma caméra. Comme ça, je peux la rajouter un peu plus, enfin, plus proche de moi. Ça, vous allez mieux me voir. Mais, ouais. Attendez, je vais voir si ma lumière, je peux l'augmenter un peu plus. Ouais, non, je suis au maximum. Bon, aujourd'hui, nous allons jouer à Elden Ring. Bien sûr, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Elden Ring. C'est un Dark Souls-like. Du coup, ceux qui ne savent pas c'est quoi Dark Souls-like, si vous voulez, ça se résume en plusieurs mots, c'est-à-dire souffrance. Mais on va essayer d'y jouer. J'ai déjà testé auparavant, mais je suis pas allé du tout loin. Genre, en tout, j'ai dû peut-être faire 0,01% du jeu. Donc, ça va être une découverte. Ça va vraiment être une découverte que vous allez découvrir avec moi, en espérant que j'ai pas de problème cette fois-ci. Parce que comme vous avez pu le remarquer, à chaque fois que je fais de stream, il y a toujours un problème qui arrive. Sachant que j'ai eu un problème tout à l'heure là. Lançant mon PC. Non, lançant mon PC. En lançant Steam, il y a quelques minutes de ça. Steam avait décidé de faire de la fenêtre de connexion à mon compte, mais genre c'était resté. Ça chargeait pas en fait. C'était resté, genre comme ça avait freeze. Du coup, ça m'a fait un peu peur. Je vais pas mentir. Attendez, parce que le problème. Bon, vous entendez pas le jeu, ça c'est normal. Le problème, c'est que, étant donné que je suis obligé de stream, enfin, je vais mettre mon jeu Ah, mais je sais. Je sais, je sais. Bon, ça va être chiant pour moi. Mais ce n'est pas grave. Je vais mettre mon écran de base en 2K. Comme ça, du coup, en fait, lorsque je vais aller sur mon jeu, l'écran ne sera pas décalé par rapport à vous. Parce que moi, en fait, de tout à l'heure, j'ai mon écran qui est décalé à chaque fois que je vais sous le jeu et c'est un peu chiant, je ne vais pas mentir. Je l'ai à la page, elle est grosse. On peut pas régler ça? Bon, de toute façon, je vais régler ça après. Ça, je peux baisser. Sinon, vous avez fait quoi votre semaine? Tant que je mette le jeu en place. Qu'avez-vous fait de votre semaine, les gens?
Pourquoi le... Attendez, parce que le tips que je regarde... Ah non, 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 ok, c'est bon. Enfin, non, faut que je le recharge. Ah non, ok. Bon, le jeu. On retourne sur le jeu. Normalement, c'est censé être bon. Ok, c'est bon. Je suppose qu'il n'y a plus personne dans le chat, mais c'est pas grave. On part en faire. Ah oui, et oui. Voilà, chose très importante qui est grave cool du coup, c'est que mon stream ne risque pas de crash. Il va pas crash parce que j'ai maintenant mon câble Ethernet connecté à mon PC, en plus en type C, parce que du coup, vu qu'il n'y avait pas de port Ethernet sur mon PC, j'étais obligé d'avoir un adaptateur. Est-ce qu'on était en type C? Donc j'ai un peu plus confiance au niveau du débit qu'en USB. Donc c'est déjà ça. J'ai reporté par contre jusqu'au dernier jour. Oh. Ouais. Je sais, t'inquiète pas. Enfin, plutôt fini qui est le reporter. Ouais. Et GG du coup. Salut Akei, comment vas-tu? bon, allez, on passe sur le jeu. Alors, c'est vrai que je vous ai pas montré ça. J'ai mis un fond. J'ai mis un petit fond, comme ça, du coup, le temps que je change de jeu, vous avez un petit fond rétro wave, vous voyez. du coup, on peut peut-être dégager la musique. Voilà. Faudrait que vous allez me dire si vous entendez le son du jeu. Normalement, vous allez l'entendre. Il est où Elden Ring? Vous n'entendez pas le jeu. Ok. La co, let's go. Ouais, la ghost tab. La ghost tab. La ghost tab. Alors, attends. Parce que j'ai un petit problème, c'est que mon jeu n'est pas sous la bonne piste audio. Donc, on va régler ça tout de suite. Elden Ring, tu vas aller dans les jeux. Il est où mon truc? J'ai trop de trucs à l'aide. Ok, Waveling Games. Ok, c'est bon. Normalement, vous allez entendre le jeu. Je vérifie. Ok, let's go. Je vais baisser quand même un peu parce que ça me détruit les oreilles. Vous avez bien entendu? Ok, bah c'est parfait. Là. Alors, voice game, on baisse un peu pour vous. On fait ça. Pour moi aussi, parce que c'est un peu fort. Et on y go. Bon, on va créer un personnage, mais je vais pas faire continuer parce que comme je vous ai dit, j'ai déjà testé le jeu auparavant. Mais maintenant, on va créer un nouveau personnage. Non, retour. Ah, j'en ai créé deux. À quel moment? Par contre, le jeu est décalé. Mon écran est décalé, genre. Je sais pas pourquoi. Et on va devoir souffrir. Ouais. Alors, bon. Qu'est-ce que nous allons prendre? Oui, j'avais pas vu le prisonnier. Miski. Agir légal alors quand tu te fais piquer sous Tomodachi. Il n'y a pas de Tomodachi. Animal Crossing. Bon. La reine. Oh là, la run que j'avais déjà faite, c'était un mage. Je crois que ouais, c'est un prophète, le don. Non, c'est astrologue. Je crois que c'est astrologue que j'avais fait. Je sais plus, attendez, faut que je trouve un gars avec un bâton, genre un indien. Ouais, je crois que c'est l'astrologue. J'avais du coup testé avec l'astrologue le jeu. Et c'était fun. C'était plus fun qu'avoir un gars avec une épée. Mais pendant que justement j'attendais ce jour aujourd'hui pour pouvoir stream, je suis tombé sur un gars qui faisait des graphiques Ichigo de Bleach. Sur Elden Ring, et j'ai vu d'autres vidéos à lui où il fait des PVP qui sont insane. Du coup, je me suis dit, Nick, on prend un épéiste. Mais après, lequel, c'est je sais pas. Bah ouais, mais c'est pas pour rien que je joue sur ton compte en fait, Kaira. Écoute, mec, c'est dans mes origines. Alors, confesseur, on va pas jouer confesseur. J'ai bien envie de tester Samurai. Héros, j'aime pas la hache. Je pense qu'on va partir sur un samouraï. Type B, parce que toujours
En fait, on peut pas savoir si c'est une femme ou un homme, du coup, bon. On va s'appeler Yoshi. Oh, je sais pas pourquoi. Le jeu ultra niveau personnalisation. T'es sûr, mec? Parce que de ce que j'ai vu, il n'y a pas vraiment énormément de personnalisation comparé au Dark Souls de base. Hein. Type A. Ah, moi, c'était du second degré que je suis une grosse malle parce que j'ai pas compris ça. Jeune. De toute façon, on voit pas mon visage. Samouraï, on a dit. Legs. Ah, ok. Peau fissurée, grain doré. Il n'y a pas le passe-partout comme avant? Genre comme sous les Dark Souls? Vrai sado par mendiant. Ouais, mais je suis pas sado, c'est ça le problème. Je sais très bien que je vais déjà souffrir avec juste un samouraï, frérot. Donc je vais pas partir mendiant, je vais me faire tabasser, oui. Je sais bon. Après, est-ce qu'on est là pour... Ouais, non, je suis pas sado. Faut doser un peu. Rune en terre s'utilise pour de nombreuses runes, je m'en fous. On raconte que son abrite encore des âmes, mais je m'en fous. C'est juste parti avec de la thune, en fait. L'âme, puisqu'une fois, branche en bouton, se donne par pied de minutes. Bon, je prends ça aussi, jamais. Ok, choisir un modèle de base. C'est le but. Le contenu. Ouais. Oh, je suis allé morte la vieille. Ah, mais c'est parce que j'ai mis mûr, non? Mais non, j'ai mis jeune. Pourquoi elle est aussi fripée, wesh? Muskin. Elle ressemble à un titan. Oh les gars, en vrai, go partir sur un titan là. Là, peut-être je me trompe parce que si je passe là, je pense qu'on a tout. Ah, ouais. Apparence détaillée. Ah, mais pourquoi c'est mûr? Je veux être jeune. On n'est pas Eren, nous? Ouais. On peut entendre les voix? Extrait. C'est quoi la touche pour les extraits? Bon, on va prendre ça. Visage et cheveux. J'aime beaucoup ces cheveux comme ça. Hein. J'ai pas envie de trop changer. En vrai, je pense que j'aurais dû jouer avec ma manette. Vous pensez que c'est mieux d'y jouer avec la manette ou pas? En vrai, les nez dans ce jeu, zubi. Même mon nez, il est pas aussi gros et pas aussi mal mis. Mais du coup, c'est mieux manette ou pas? Il y a quelqu'un qui a déjà testé le jeu pour voir me dire si c'est mieux manette. Parce que en vrai, s'il faut que je joue manette, je joue manette. Hein. Le screen peut être plus âgé qu'avec le son. Oui, j'ai entendu ça au moment que j'ai appuyé sur la touche. Manette 1000%? Ok, bah, je prends ma manette. Ça m'arrange parce que du coup, j'ai dû débrancher mon clavier pour pouvoir brancher mon téléphone pour utiliser mon téléphone comme caméra. Et du coup, bah, j'avais plus de clavier. Mais du coup, ça sert à rien parce que j'ai eu la manette. Ce n'est pas grave. On connecte ma manette si elle est chargée. Dis-moi qu'elle est chargée, s'il te plaît. Ma manette est déchargée. Comme une envie de mourir s'installe dans mon corps. Bon, ma manette est déchargée. On retourne au clavier souris. Hein. C'est frère, imagine, c'est le gars. Bon, ça. Imagine, genre vraiment. Bon, cheveux. Oh, c'est stylé. Oh, j'aime beaucoup. Ouais, ma manette est déchargée. Genre, elle s'allume pas, t'es mort. J'ai la haine. Je pensais l'avoir mis à charger avant de partir la semaine, mais non. Peu de somme, mais bon, c'est pas grave. Hein. Éclat. Wesh, déjà il est MMO coréen. Ombre des racines, on va augmenter ça. On va augmenter le RTX. Non. Ouais, mais comment je fais pour confirmer? Quoi, je fais pas, je suis obligé de garder. Mais non. Ok.
Le RTX. Les ombres. Cheveux blancs. Wesh. Non, elle a pas de cheveux blancs. N'importe quoi. Alors, ossature du visage. Équilibre taille du nez. On va le mettre en gros pif. Wesh. T'es mal à la gueule. Putain, j'ai des filtres Instagram, j'ai juré. Bon, on va pas toucher à ça. Les yeux. Position des yeux. Non, taille des yeux. Parce que nous sommes des... nous aimons les mangas. D'accord, donc on va prendre des yeux bien gros. Parce que les yeux petits. C'est le meta pour un vin. Bah oui, mec. Elle est plus gorille que toi-même, c'est ça le pire. Alors, inclinaison. Japonais. Espacement. Japonais. On regarde des mangas, nous. On joue à des que à des jeux d'animé très sains. Moi, j'ai pas vraiment envie de toucher à son nez. Oh, oh les joues, faut régler ça, les joues. Wesh. Les joues. Retrait des pommettes. Dès que les yeux ressortent de son corps, wesh, c'est pas normal. Mais par contre, j'ai juré, les persos de ce jeu, ils sont vraiment dégueulasses. Même dans Dark Souls, c'est dégueulasse. Hein. Ils ont rien changé. Hein. Ça se voit que c'est les From Software. Pour la fun. Ouais, normalement, d'ici quelques... Bon, demain, peut-être pas. Mais vu que la semaine prochaine, c'est les vacances pour nous, enfin, l'endroit où je vis, je vais... durant la semaine, j'ai pour projet de faire plusieurs streams. Vraiment à la suite, peut-être chaque jour un stream. Et étant donné que je dois dessiner, parce que je suis censé remplir un portfolio, je vais dessiner des concepts de personnages. Attendez, je vais chanter deux trucs au cas où quand même. Comme ça, du coup, pendant que je vous parle. Là, je baille d'une touche par rapport à ça. Du coup, je vais faire en fait des concepts de personnages, pardon. Des concepts de personnages, des concepts de... Ouais, je vais tenter de stream. Enfin, à partir du mercredi, pas à partir de lundi. À partir de mercredi, la semaine prochaine. Et, enfin, non. À partir du jeudi, plutôt, parce que mercredi, je rentre chez moi. Comme je le disais, qu'est-ce que je disais? Oui, je ferai des concepts de machines, de robots. J'ai déjà commencé à faire des petits croquis sur mon carnet, mais je continuerai, du coup, en digital. Et après, par la suite, ça partira plus loin, c'est-à-dire que je ferai des modélisations de ces personnages qui sera utilisable pour des jeux vidéo. Là, du coup, ça sera avec l'ossature, les textures, etc. Et donc, du coup, les entreprises qui veulent utiliser ça pourront l'acheter. Mais au moins, ça me permettra en fait de remplir mon portfolio, ce qui est grave intéressant en fait. Merde, mauvais truc. Elden Ring. Moi, je suis OK pour ce personnage. OK. Il est kawaii-iné. On voit peut-être les yeux verts. Je sais pas. Faut des yeux animés. Roses. Ah, mais non, mais du coup, je dois mettre les cheveux roses. Je sens que ça va d'ailleurs en R34. Alors. Tu sais, j'ai un passif. Dis-toi que sous cette terre, il y a... Dis-toi que sous cette terre, il faut vraiment que je baille d'une touche pour ça, hein, parce qu'en fait, ça me permet en fait de tout le temps changer sans que j'ai Alt-32, Alt-Tab. Dis-toi que dans ce monde, il y a un compte Twitter à moi, dans lequel j'ai commencé à faire du NSFW, donc du R34. Tu vas jamais le trouver, parce que le pseudo est loin de... Il y a peut-être un indice que tu peux avoir sous cette terre, mais il faut être un Sherlock, en fait. Il faut vraiment le vouloir. Mais enfin, comment dire ça? Oui, j'ai un compte Twitter avec du NSFW dessus que j'ai dessiné, que je n'ai pas continué. Je comptais le continuer,
Mais après, j'ai eu la flemme et voilà. Après, faut le chercher, hein. C'est ça le truc, et ce qui est marrant. Voilà. Faut que je lui mette des cheveux roses, j'ai oublié ça. En animé, c'est perso d'animé, faut pas oublier. Wesh, les couleurs, elles font peur. Hein. On veut du rose. C'est des cheveux d'animé, c'est Sakura. Mais un jour pour l'autre. Ok, mec. Hein. Vraiment, si tu trouves, t'es un BG, mec. Hein. Mais il y a tellement peu d'indices, en fait. Il y en a vraiment un seul. Ouais, mais toi, t'as pas le droit, en fait, de le donner, de toute façon. Tu es au courant de ça. Ça a pas de but, en fait, après. Hein. Mais putain, mais je fais ajustement des couleurs et mais ça fonctionne pas. Faut cliquer là, ok. D'accord. Bon, je suis un peu con alors. Bon, bah c'est bon. On peut y aller. Non, on va mettre encore trop blanc. Blanc, parce que. Faut pas abuser. J'ai zappé. Ah ouais. Corps. Non, couleur de peau. Couleur de peau, faut qu'on se mette vraiment clair. Voilà, Sakura. Qu'est-ce qu'il y a à... Terminé. Vous aimez bien ma Sakura? J'aurais dû l'appeler Sakura en vrai. Évidemment, je sais ça, mais... Oula, non, 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 non. Y a pas, y a pas. Je fais plus ce genre de truc. J'ai fait ça à une époque. C'était sous Discord, mais là, je fais plus ça. Moi, j'assume l'avoir fait au moins une fois. Je ne veux pas dire que je ne l'ai pas fait. Enfin, je l'ai fait pendant une grande période, mais ça va pas plus loin. Faut pas abuser. Vous entendez bien le jeu ou faut que j'augmente le son? Je crois que je vais augmenter le son. Comment ça? Ben, je l'ai déjà dit. Je l'ai dit que je l'ai fait sur Discord il y a un moment. Mais ça date, oui, ça date vraiment, mec. Ça date de quatrième. Mais ça faisait des RP de base. Non, vraiment réel. Attends. Pendant que ça fait sa cinématique, on retourne en grand écran. Dis-toi, en fait, si tu veux, quand j'étais en quatrième, si tu veux, je cherchais des RP sur Discord. Mais des RP, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les RP de base dans les jeux vidéo, genre Gmod, GTA, etc. Ces genres de RP de base. Et donc, du coup, je cherchais de voir s'il y avait des RP Discord, genre écrit, parce que je sais qu'il y a des gens qui font des trucs chelous. Et donc, du coup, en quatrième, je suis tombé sur un RP de trucs d'animé. Tu crées ton personnage, tu as des pouvoirs, tu fais des rôles pour pouvoir. Voir si tu gagnes des fights, enfin quand tu fais des combats, si tu arrives à gagner l'attaque que tu fais ou si tu te foires comme une merde, t'avais capacité en fait, c'était vraiment complet, c'était genre t'avais la capacité d'augmenter ton personnage de niveau, sa puissance, du coup quand tu augmentais de puissance t'avais des rôles qui étaient beaucoup plus puissants, genre au niveau de termes de dégâts ou même au niveau de taille de marge, t'avais même des systèmes au mode t'avais le droit de faire une attaque puissante. Et le truc qui était beau, c'est que en fait, lorsque tu faisais des fights contre des gens, lorsqu'il y avait des envois qu'il fallait faire des fights, en fait, genre les gens jouaient au jeu. C'était pas en mode ouais, mais ton truc est trop broken. Ou les gens arrivaient à s'auto-réguler. Et du coup, il y avait des fights qui étaient genre parfois, tu faisais une attaque qui était énervée, mais ça te mobilisait. Mais bref, c'était beau, c'était ouf. C'était un bon moment de ma vie. Là, maintenant, il n'y a que des trucs de merde. Mais je sais que vers la fin. Il y a eu des trucs un peu chelous qui sont passés, un peu RP, NSFW. Mais dans tout ça, le truc c'est que j'ai vu que j'aimais beaucoup le RP, je me suis dit bon, ben je vais partir faire ta gueule la maçon, le jeu. Du coup, je me suis dit oh bon, je vais
Je vais chercher d'autres RP comme ça parce que vraiment, je suis resté sur Discord tout le temps. Je jouais en cours, j'étais comme ça sous mon téléphone en train d'écrire. C'était trop bien. Mais attends. On arrive au moment du RP, NCSW. Du coup, vraiment, c'était cool. Vraiment, c'était une bonne époque. Ouais, j'avais 13 ans. Et donc, du coup, j'avais 13 ans. Ah ouais, effectivement. Et donc, du coup. Ouais. Du coup, Et donc, du coup, en fait, j'étais en train de. Je cherchais, du coup, d'autres trucs Discord, parce que vraiment, je kiffais trop. Je me suis dit, bon, si celui-là est comme ça, qui est trop bien, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont être énormes. Et je suis tombé sur un RP qui était identique, genre c'était un school RP, mais ça, quand je suis allé dessus, déjà j'ai découvert que des potes à moi que je connaissais depuis le primaire, genre étaient dessus, le primaire qu'on a eu ensemble en plus à Kay, dans ce primaire-là. Du coup, ils étaient dessus, j'ai découvert ça, et en fait, au début c'était bien. Puis ça a dérivé en NSFW. C'est parti dans des bails de je me suis fait violer. Enfin, pas personnellement, mais le personnage que j'incarnais s'est fait violer. On m'a pregnant par la bouche. Genre, c'est-à-dire que quelqu'un a pris la semence de quelqu'un d'autre et l'a mis à l'intérieur de mon personnage oralement parlant. C'est genre vraiment pour te dire à quel point c'était dégénéré. Et après, par la suite, les joueurs qui sont sur ce truc-là, on créait un autre Discord spécialement pour ça. Et du coup, ça m'a spammé de ouf. On me dit, ouais, viens, viens. Du coup, par curiosité, j'assume, je suis parti aller regarder. Mais je suis vite parti. Parce qu'il y avait des trucs trop chelous. Et après, à partir de ça, bon, après, les discours sont devenus nuls à chier. J'ai dit Levi World. J'ai pas prononcé de mots, mec. Hein. J'ai juste dit qu'on me l'a donné oralement. Et j'ai dit que j'incarnais un personnage féminin. Après, peut-être que je l'ai dit sans le vouloir. Si c'est ça, merde. Bon, on retourne sur le jeu là, parce qu'on est là pour jouer à des jeux vidéo. Ouais, on n'a pas la même enfance. Toi, tu faisais des trucs avec tes suites et CDC. Ah, ta gueule, la musique, s'il te plaît. Même si elle est bien, mais. Attends, retourne sous le jeu. Non, mais vraiment, moi, en vrai, je sais pas, moi, ça, c'était quand même une belle époque. Oui. Oh, c'est stylé, ce qui-là. Draconique, c'est quoi, ça? Comment on ouvre l'inventaire? C'est quoi la touche pour l'inventaire? Merde, ok. Oh! Ok. Moi, je vois Kim Impossible. Bah, j'ai eu le temps de regarder Kim Impossible aussi. Hein. Faut pas croire. Hein. Vraiment, genre, quand j'étais petit, j'étais pas aussi gros kid que maintenant. Genre, enfin, si, je jouais tout le temps sous mon PC. À chaque fois que je rentrais, je jouais sous mon PC. Je sais que parfois, j'allais chez des potes qui avaient la Wii, on faisait des grosses sessions de Wii Sports. C'était une dinguerie, vraiment. Et en même temps, ça faisait des combats Beyblade. En même temps, ça faisait des combats Beyblade. En même temps, ça faisait des combats illégaux de combats Beyblade. J'en parlerai tout à l'heure s'il le faut. Ça allait chercher des iguanes et ça allait les apprivoiser. Et ça rejouait encore derrière ça à son PC. Et ça suivait encore des youtubeurs d'il y a tard l'époque sous Minecraft. Donc, ouais. J'ai eu le temps de faire tout ça. Hein. Maintenant, je reste chez moi, oui. Quoi, F, c'est pour sauter? Ça n'a pas de sens. Comment on ouvre l'inventaire, s'il vous plaît? Dites-moi, je vous en supplie. C'est quoi la touche? Pourquoi ça coupe, c'est X? C'est Fortnite ou quoi, oui. Oh, d'ailleurs, rien à voir. Je crois que je vais tester Fortnite parce que de ce qu'on m'a dit, maintenant, c'est bien. C'est ça? Genre, il n'y a pas de construction. Il n'y a pas de genre, tu tires sous quelqu'un, il te fait un gratte-ciel. C'est quoi la touche? Merde, non, c'est pas ce que je.
Je veux aller dans... Oh mais merde, je suis con, j'échappe. De quoi, l'odeur de ma chambre actuellement? Non, mec, arrête. Ça fait genre peut-être trois fois que je me suis pas encore... Trois mois plutôt que je me suis pas encore douché. Mais en vrai, ça va. Bon, moi, j'ai déjà fait pire, j'ai déjà fait 3 ans, mais... C'est un truc normal de gamer, non? Alors, inventaire... Il y a quoi dans mon inventaire? C'est quoi, ça? Doigt raconique de sanglant. Sert à rediriger les messages à poisson d'autres mots. Ah, rédiger. Ah, c'est comme ça qu'on écrit des mots sur le sol. Oh! Ok, je vais écrire, je vais écrire, je vais écrire. Comment on écrit? Utiliser. Ok. Oh non, on peut pas écrire comme je... Oh non! J'ai écrit que je suis heureux. Regardez. je vais regarder quand j'étais gosse, mais... Ah, quand j'étais petit. Mais non, quand j'étais petit, frérot, non. Hors du truc, quand j'étais petit, vraiment, je sortais tout le temps. Du coup, je me douchais tout le temps. À chaque fois, vraiment, ça, c'était quelque chose. Là, je prends tout ce que tu viens de dire en premier degré, oui. Mais quand je rentrais, le premier truc que je faisais, c'est me doucher. Mais attends, mais non, mais en fait, quand je regarde, j'ai fait tellement de trucs petits quand j'étais petit. Genre, quand j'étais petit, si vous voulez, j'ai même eu le temps. Genre, il faut savoir que depuis petit, je suis intéressé par tout ce qui est arme à feu, d'accord? Mais... Je suis pas intéressé par arme à feu classique, j'ai pas je suis pas intéressé par les je suis pas j'étais pas intéressé par les armes classiques, j'étais intéressé par tout ce qui est armes du style attends, pourquoi il est rouge le monsieur? J'étais intéressé par tout ce qui est armes de la Deuxième Guerre mondiale. Yuen Long. Comme la rue 34 là. J'étais intéressé par tout ce qui était armes à feu, principalement de la Seconde Guerre mondiale, et c'est toujours le cas. Et comment vas-tu, Yann? Et je sais que à l'époque, j'étais un gros fan de tout ce qui est manipulation papier. C'est-à-dire que je faisais des origamis, je faisais des avions de chasse en papier, bon, ça faisait des madras aussi, genre, ça avait le livre madras, ça faisait des madras. Bien, les AK-47. Non, mais non, 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 ça... Je connais plus les armes de la Seconde Guerre mondiale, par contre. Mais non, 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 non. Mais par contre, en parlant de l'AK-47, justement, j'y viens. J'avais trouvé un tuto avant pour faire des armes... Bon, on va remettre pause, hein, parce que c'est intéressant ce que je dis, n'est-ce pas? du coup, en fait... Ouais, c'est de ce que je parlais tout à l'heure, Yann. En fait, si tu veux... Genre, il y a... comment pourrais-je dire ça? Oui, en fait, j'étais tombé sur un tuto. Il a fait des armes fantômes chez lui. Non, j'ai fait des armes en papier. Genre, c'est pas en mode tu t'es ça dans tes... Non, non, c'est en papier. Genre, du coup, j'étais tombé sur un gars qui avait fait un tuto pour faire des armes en papier. Et du coup, je l'ai fait. Et c'était trop... C'était vraiment... J'ai fait une M1. Une M1, si je me trompe pas. Je sais plus comment ça s'appelle. Une M4, non, une M4, une 4A1, je sais plus. Mais bref, c'est des policiers dans CSGO, le truc de base. Et donc, du coup, je suis le tuto. Et l'arme était trop bien. Il y avait même un système de rechargement, il y avait un système pour que les balles partent aussi. Moi, à l'époque, je n'avais pas le droit d'utiliser un cutter, du coup, je n'ai pas pu faire le système précis pour pouvoir tirer avec des boules de papier. Enfin, c'était vraiment des balles qui ressemblaient vraiment à des balles, mais c'était en papier. Genre, c'était une balle, genre, t'as le tube et t'as une petite pointe, genre. Et c'était ça. Et tu pouvais tirer dessus, tu pouvais tirer avec, mais j'avais pas le droit. Du coup, j'avais juste créé le système de rechargement. Genre, tu switchais un truc, tu enlevais la recharge, tu mettais tes magazines et tu remontais le truc dans le papier. C'était vraiment une dinguerie. Et je me rappelle, j'en avais fait deux ou trois. Et je sais qu'il y avait un pote à moi qui était venu du coup un jour chez moi. Et on faisait une bataille, genre, dans ma maison. On était en train de se tirer dessus. Genre, c'était. Bon, on se tirait pas vraiment dessus parce que vous n'avez pas de système pour tirer dessus. Mais c'était vraiment une dinguerie. C'était vraiment grave cool. Vraiment, en plus, même le fait de faire des fusées, pas des fusées. Non, ça peut être des avions de chasse en papier, c'était une dinguerie. Hein. Non, je l'ai plus, mec, j'étais au CE2. J'étais au CE2, ça date, wesh. ça date trop. En plus, j'étais pas là où j'habite.
J'étais à Saint-Martin avant, donc bon, ça date. Ah, j'en ai fait des trucs hein, à Saint-Martin. Ah oui, en parlant tout à l'heure du coup de tournoi illégal de toupie bébé, ça s'appelait du Pookie. Et genre, je retourne en même temps dans le jeu. En fait, si tu veux. Attends, mais il y a tellement de trucs à raconter. Bon, juste déjà avec les toupies Beyblade, en fait, c'était genre en mode tu ramenais ta toupie, tu la mettais en jeu, et si tu perdais, ben, on prenait ta toupie. Enfin, et j'en ai perdu beaucoup de toupies comme ça, et je sais qu'un jour. On va raconter encore une histoire. C'est trop bien. Jamais test, moi. C'était les nerfs. Non, c'est pas des. Je crois que ceux qui passent, c'est pas des nerfs. C'est des trucs que tu pouvais acheter, par exemple, dans les magasins de bricolage, un truc du genre. Je sais qu'il y en avait un au Moule, près du magasin où tout le monde a acheté leur sandwich. Et c'est là que tu pouvais acheter un petit pistolet avec des billes. Et genre, ça fait mal. Ah, ok. Et du coup, pour les toupies Beyblade, j'en avais perdu beaucoup. Et je sais qu'un jour, on était 8 autour d'un stade, stadium. On a vraiment le vrai stadium qu'on donnait avec les toupies. Et genre, si tu veux. On a tous envoyé nos toupies. Enfin, on devait tous envoyer nos toupies. Et moi, j'avais ma toupie Galaxy Pegasus. Et genre, on avait tous envoyé. Toutes les toupies sont sorties, sauf la mienne. Genre, vraiment, la mienne est restée. Elle était au milieu. Et ça avait tous dégagé. Et genre, j'aurais pu rafler 8 toupies d'un coup. Et ces fils de pute, parce qu'ils avaient la haine, ils ont tous annulé. Ils ont dit, ah non, mais on l'a refait et tout. Du coup, j'avais la haine et je suis rentré chez moi. Moi, je me suis déjà fait péter aussi des jeux vidéo DS. Mais bon, ça sert à rien à voir. Hein. Ouais, Pégase. Ouais, bon, arrête. Elle est pas si surcotée que ça. En fait, ouais. Ouais. Mais, by the way, Twist Tempo, Pierre Toupie. Ouais. Twist Tempo, c'est la meilleure Toupie, effectivement. Et oui, en parlant du coup d'armes en primaire, j'ai fait la découverte, je pense que par contre, vous connaissez. En fait, si vous voulez, vous prenez normalement un stylo. C'était un stylo précis qu'il fallait avoir. Et tu mets un bout de papier que tu avais mâché avant au bout. Et à l'autre bout, tu mets un autre bout. Et en fait, si tu veux, avec du. Ça s'appelait des pif-pof. Enfin, on appelait ça des pif-pof. Et genre, tu prenais un truc assez long. Et genre, tu appuyais au niveau de l'endroit où tu avais fait ta boule de papier mâché. Vraiment, qui. En fait, ça permettait de faire une pression pour que l'autre bout de papier que tu as mis au bout puisse partir comme une fusée. Et je sais. Et si tu veux, genre, quand j'étais au primaire, avant, le matin, on avait deux récréations. On avait une première récréation de 15 minutes pour bouffer. Et on avait une autre récréation de 15 minutes, genre, ça se suivait vraiment, pour pouvoir se restaurer. Genre, ça sonnait deux fois. Et si tu veux. T'as vu qu'il y avait des gens qui tiraient sous les plafonds avec. Ouais. Bah, tu vois, genre, je sais que avec des gens de ma classe, on était beaucoup, genre, presque la moitié de ma classe. La première, on bouffait normalement. Mais la deuxième heure, ça faisait une guerre dans la récréation, dans la cour. Genre, ça prenait des pif-pof et ça s'envoyait dessus. Ça faisait des bleus, wesh. Mais c'était des dingueries, vraiment. Mais ça faisait des gros combats. Et le pire, c'est que c'est moi qui ai ramené ça la première fois dans l'école. Et du coup, tout le monde a commencé à faire ça. C'était marrant. Donc voilà. T'as jamais compris comment il est fabriqué, sérieux? Maintenant, enfin, maintenant, avant, je sais que je le faisais par genre, parce que je l'ai vu, du coup, je le faisais. Mais maintenant que j'ai un peu plus de neurones, genre, je comprends le principe. Sérieux. En plus, je sais que moi, à chaque fois, genre, vraiment, à chaque fois, moi, quand je partais le matin chez moi, je prenais un gros pinceau comme ça, genre, la taille du pinceau, c'était ça, frérot. Genre, tout ça, c'était le manche, et ça, c'est le bout du pinceau, genre, le brush. Le truc là pour peindre, en fait, ça c'est tout le bâton. Et genre, je partais avec ça parce que, justement, genre, quand il fallait faire des combats, genre, je prenais mon truc dans mon sac et ça partait à la guerre, wesh. Vraiment, c'était la guerre. J'ai juré, c'était vraiment la guerre. Mais oui, mais on prenait pas ça faisait pas des petits trucs de merde. Hein. Non, 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 non. Nous, quand on le faisait, on prenait vraiment le truc. Genre, en fait, on mâchait tellement, on mâchait de manière à ce qu'il n'y ait pas d'air. Genre pour que vraiment la pression en fait soit vraiment forte et quand on met d'un coup, la pression parte et que ça parte comme une vraie balle, genre ça te fait mal. Genre vraiment, c'est on mâchait le truc, le bout ça faisait genre peut-être ça, le bout faisait peut-être cette taille-là. Et genre on le mettait dans le stylo au fond, genre ça s'appuyait comme ça. Genre si tu veux, t'as le truc de ton stylo, tu mettais le bout, tu prenais ton pinceau ou ton truc, ton bâton, tu écrasais, genre tu mettais sur une table et tu écrasais un peu pour que ça s'aplanisse. Et après que c'était aplati au fond, c'est comme ça en fait que tu bouchais les trous pour pas que ça puisse
Comment dire ça? Pour pas que justement s'il y ait de l'air qui porte et que du coup ça fasse pas de bloc, ça part comme une merde. Et à l'autre bout, tu mets ton tout petit bout de papier. Et c'est comme ça en fait que du coup, quand tu poussais d'un coup, bah, en fait, l'air qui était à l'intérieur, ça poussait de fou, vu qu'il n'y avait que l'air qui était à l'intérieur, c'était, ça faisait de la pression, et ça poussait d'un coup le papier. Et genre, ça partait fort, oui, ça faisait trop mal. Vraiment, moi, ça avait des bleus, il y avait d'autres qui avaient des bleus, c'était marrant. Enfin, ouais, c'était fou. Voilà, on retourne sur le jeu vidéo. On n'a toujours pas avancé dans le jeu. Hein. Admirer. Bien joué. Bonjour, rejeton greffé. Comment? Wish, 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 wish. Wish. Je veux t'attaquer, arrête. Ah, c'est qui? Je suis nul pour les Dark Souls, hein. Je tiens à le préciser. Le seul boss que j'ai battu dans Dark Souls, c'est le premier boss du début. Bah, c'est scripté? Ah, t'es pas au courant? Alors, je sais pas. J'ai pété un câble un jour. Je me suis dit, putain, ça c'est trop bien, genre, de faire du entertaining. Et que j'achète une tenue de maid, sauf que j'ai pas de thune. Du coup, je me suis dit, en vrai, les gens méritent pas que je me mette en tenue de maid. Du coup, oh! Encore une dinguerie que j'ai à raconter. Alors, attendez, attendez. Faut vraiment que je bête une touche, hein, pour pouvoir directement faire ça. Bon, si vous voulez. Ah ouais, j'avais une personne, la force, c'est Et en fait, si vous voulez, je me suis dit, bon, ça serait cool, du coup, de mettre un petit made outfit. C'est marrant, ça fait gaulerie la galerie, voilà. Et il y a une personne de ce chat-là, actuellement, elle se reconnaîtra, qui a vendu une mèche de ça. Et donc, du coup, il y a des gens dans ma classe qui se sont mis en tête de donner, justement, de faire des tips pour que j'achète ce truc, c'est-à-dire remplir le sub-goal, enfin, le tips goal. Pour. Ah, tu t'es reconnu. Pour, du coup, que j'ai cet outfit, en fait. Donc voilà. Du coup, j'ai peur. J'ai peur parce qu'ils ont vraiment sont l'air déterminés. Ça fait 2 semaines qu'ils sont déterminés. Ah, il y avait une cinématique. Ah, donc du coup, en fait, il fallait pas mourir de base. Il fallait survivre et après, par la suite, on tombait sur la cinématique. Non? Je sais pas. Ah merde, vous voyez pas, je suis trop con. Désolé, désolé, désolé. Voilà. On sait que t'as des dons. Non, oui, le seul don que j'ai eu vraiment, c'est celui de l'autre du général de Kaira qui a tips 2 euros. 3 euros, my bad. Et il y a 3 euros qui ont été mis depuis le début, mais en fait, j'ai pas de signe de ces 3 euros. Ça a jamais existé. C'est juste eux, Stream Elements, qui a mis 3 euros de base alors que j'ai jamais reçu de thune. Donc bon. Voilà. Ah putain, en fait c'est tellement bien de stream le samedi. J'ai la pêche le samedi. Le dimanche je suis fatigué. Je parle pas le dimanche, wesh. Ouais, alors que le samedi. Bah! Fiole des larmes propres. Fiole des larmes aussi régulier. Ok. Attends, mais t'as pas une tonnerie toi, Yann Lang? Il me semble que si. Parce que vu que tu l'as, si tu l'as, je pense que si tu as la possibilité de retourner dans le début du jeu, tu verras peut-être le message que j'ai mis, ou peut-être pas. Mais j'ai marqué que. Genre, j'ai marqué que. React, non, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Demain, peut-être que je ferai de la VR. Peut-être que je vais faire de la VR, ou peut-être je. Même à cause du début. Ah, ok. Ouais, aussi, la semaine prochaine, à partir de mercredi, j'essaierai de faire des streams tous les jours. Parce que c'est les vacances et voilà. Ouais, je ferai de la VR demain, je pense, peut-être. Je vais voir sous quel jeu, par contre. Parce que ça va faire du Half-Life Alyx. J'ai pas forcément envie de jouer à Zenith en live, parce que je sais pas, c'est pour moi, c'est pas forcément un contenu qui est streamable. Même s'il y en a beaucoup qui le font, et je crois pas dans la communauté française qu'il y en a énormément. Mais putain, ça me fait penser au truc de Dark Souls, là.
je ferai des screams tous les jours. Ouais. J'ai pour but de faire ça. J'espère que je vais tenir ma parole. Tu sais, ça doit décrocher, mais j'ai déjà écrit sur le sol. Ah non, c'est pour faire aussi des équations. Ok, barreau. Mais peut-être que ça sera du stream VR demain. Peut-être que ça sera juste du dessin. Je sais pas. Je vais réfléchir ce soir. J'ai pas forcément envie de dessiner tout de suite. Genre, j'ai envie de forcément plus dessiner la semaine prochaine, comme je disais tout à l'heure là à Kay. Parce que je ferai un peu plus de dessin. Mais demain, peut-être que je vais jouer un jeu ou je sais pas. Alors, admirer héros. Quelle surprise. Ok, essayer d'attaquer. D'accord. Eldorn de Ring. Grâce des rayons découvertes. Alors attendez, je vais chercher mon ventilateur. Enfin, je tourne mon ventilateur vers moi parce que j'ai chaud. Voilà. Rush. Bon, je sens que cette dégénérée est vraiment partie appeler les autres. Ce qui me fait un peu peur, parce que du coup, ça veut dire que je dois commander ce outfit. Ça veut dire que du coup, la semaine prochaine, pendant que je ferai mon daily stream, il sera là. Il sera fait, tu vas cliquer ton prime. Bah oui, il va claquer. Bah oui, et le ref, il va claquer, il est obligé. Il est obligé, sinon je... Ouais. Alors, un matériau... Oh, on peut crafter dans le jeu? Oh, dinguerie. Alors, vous pouvez trouver chaque jeu des fiches, ceci, repérer les vocations, il vous sera débloqué d'autres joueurs près d'elle, ou car les... Ok. Non, le montant l'air, en fait. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça qu'il a pas compris, hein, le montant l'air. Des baies de sorbier. Mais... Oh. Oh. Alors, essayez combat à cheval. Alors, ce combat, j'ai jamais fini, donc je sais pas en fait s'il faut le finir ou pas. Tu me diras, Yannou, de toute façon, je vais le faire quand même. Mais ça a lagué, c'est pas juste. Attendez, mon jeu lag. Ah. Mais comment ça fonctionne le truc de Dark? Mais il fait quoi? Sérieux? D'accord, bon bah elle fera pas. Hein. Je voulais savoir si c'était celui-là que tu parlais qu'il fallait pas faire, parce que moi je te jure j'ai passé un moment à essayer de le faire la première fois. C'est à cause de ça que du coup j'ai quitté d'ailleurs, parce que je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Par contre, ça va quand même baisser la qualité parce que si je veux jouer en 2K et vous stream le truc, là voilà, je suis obligé. Et j'ai pas forcément envie de stream en 1080. Ah, je suis en moyen. Wow. Ok. Attendez, je regardais combien d'espèces que j'ai. Oula. J'ai fait Alt-R, mon PC veut pas. Il veut pas, il refuse. Comment on court dans ce jeu? En fait, on court naturellement. Ok, je vois. Attends, mais tout droit, c'est de quel côté, genre? Genre, ouais, mais tu m'as dit d'ignorer les mobs, donc je suppose que c'est par là. Il continue ce stream de Stevens. Mais tu sais que il y a beaucoup de... Même mes surveillants d'Eterna, en fait, il y en a un qui suit. Hein. Je suis encore choqué. Hein. Ouais, l'église, ok. Non, je vais mettre le genre 1080. Je suis obligé. Ouais, mais en fait, ça change rien. C'est juste le jeu qui est mal opti, ok, je vois.
Ici. Les jeunes de mon livre, quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Il a fumé. Ah, à moins que tu parles de... Ah, oui, je suis un peu con. Mais attends, mais de quelle église tu... Ah, ça! Il y a des kangourex. Je peux le tabasser ou pas? Rune de riz. Oh, c'est de la thune? J'ai rien converti. Ils ont juste son potentiel, donc ils viennent. Déjà, il manque vue dans ton mot, dans ta phrase, mais y a pas de potentiel. Ouais, taisez-vous. Mais ouais, c'est une légende. Après, il a un truc de Noël. Que mort soit. On peut le tuer? Vous faites partie de Santa Claus, je le vois. Et je vois aussi que vous ne voulez pas ma vie. Si, je veux te tuer. Non, plutôt que c'est essentiel. Il y a le potentiel. Ok, si vous le dites. Ah, mais c'est cher. Moi, j'ai pas de thune. Comment on voit notre thune? Ah ouais, j'ai vraiment pas de thune. Ok, à plus. Ah, peut-être que je peux vendre des trucs. 1000, oh, 100, oula, non, bye bye. Au revoir. Merde, quoi? Sérieux, faut pas taper les PNJ by the way. Ah, il meurt vraiment? Ah, c'est là, enfoncé dans le ok. Et bah, si c'est un plaisir de pouvoir enfin entendre ma voix correctement, ça veut dire que moi, quand je vais monter ma vidéo, je serai heureux. Hein. Oui, de manière. Okay. Après, tu seras obligé de les tuer au bout d'un moment parce qu'ils seront hostiles. Ah, ok. Mais je peux rien construire, je suis pauvre. Même pas renforcé, wesh. Mais du coup, je dois faire quoi? C'est marrant parce qu'ils ont mis chien alors que c'est un âne. C'est pas marrant du tout. Je dois aller où? Je dois suivre le courant, comme dans Ghost of Tsushima. En fait, je dois aller où? Je comprends pas, wesh. Vas-y, je vais tabasser l'agneau. C'est un loup ou un agneau? Oh, c'est un agneau. Voilà. Deux secondes, je reviens.
Bref, désolé. Moi, tu m'as summon, ok. Et merci pour les stats, alors, du coup. C'est pas les bergers. Des bergers, les boucs en feu. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir. Je viens de retourner. Désolé, j'ai dû disparaître rapidement parce que j'ai dû aller chercher des vêtements qui étaient sous l'air. Le linge, et il pleuvait. Du coup, j'ai la haine. Et je viens de voir qu'il pleuvait aussi dans le jeu. Let's go. Attendez. Bon. Du coup, là. Je pense que Aki aussi est parti, du coup. Ah, tu entends les trucs en décalage à Kera? Wesh. Mes cheveux. À l'aide. Je sais plus mettre mon casque. Ah, ok. C'est parce que vu que t'as répondu bien après, du coup. Bon. Allez, on retourne sous le jeu. Ah, ok. Il est mis. Wesh. J'aime bien de soldats. Oh, let's go. Inventaire. Quoi ça? Une sauce de grâce. Consommer les runes et renvoie aussi dernier site de grâce. Oh, ok. Non, mais moi je veux un truc d'armure. Équipement. Ouais, elle est mieux. Elle est mieux. Genre, il y a un Dark Sasuke. Oh, il y a pas un skin. Un Samsung? Quoi? Il y a le spectateur. Oh, salut Dark Sasuke. Comment que va? Comment que vraiment va? Je dois aller où, moi? Je dois aller là-bas, je suppose. Ah! Comment vas-tu, Samuel? C'est moi, je suis devenu un pro à Dark Souls, les gars. On peut... Vous allez juste perdre, en fait. Genre, les personnes que je vais affronter, je vais juste les détruire maintenant. C'est bon. Et c'est plus un jeu de souffrance, là. C'est trop facile, en fait. Bon. Je suis toujours un peu perturbé par le fait que j'ai dû partir rapidement. Du coup, désolé. Mes cheveux sont toujours en pagaille. En chien, plutôt. Oh, wesh. Mais merci, ok. Oh putain. Ah, j'aurais pensé que ça aurait été plus fort dans mes oreilles, mais ça m'a fait peur quand même. L'outfit. Non. Je dois aller là-bas, je pense. Mais du coup, maintenant que j'y pense, bah maintenant qu'on a parlé tout à l'heure de mon enfance, vous avez fait quoi du coup, vous, dans votre enfance? Wesh. Wesh, wesh, wesh. Ça m'intéresse du coup. Je sais que, ok, du coup, t'as fait des trucs avec SCDC, mais t'as fait d'autres trucs ou pas? Même toi aussi, Dark Sasuke. Je vais arranger mon casque en attendant. Voilà. Genre, vous avez fait des trucs qui des dingueries ou un truc dur. Je me tabassais là où. Voilà. Oh, mais parlant de tabassage, j'ai une autre histoire du coup.
Une fois où j'aurais pu mourir, en fait, c'est totalement ça. Il faut se dire, hein, je peux juste mourir. Comment je fais pour... Ouais, c'est R. Aïe. Mais arrête! C'est pas ce que je veux faire. Attends. Je vous raconte après! Bon, du coup, je disais... c'est une fois où j'aurais pu mourir totalement. En fait, si vous voulez... la PS2, PS3... Oh, ok. Si vous vouliez... on m'a pas appelé aussi, j'ai une histoire aussi. Hein. Mais si vous voulez, quand j'étais petit... Ouais, la même époque où je faisais des pif-pof et que je tirais sous des gens et que je faisais des armes en papier aussi, je faisais du vélo avec ceux avec qui on faisait des combats illégaux de Toupie Beyblade. Et... parfois, en fait, on allait à un endroit qui est près d'un hôpital, qui est sur un gros morne, quand même. Et genre, à côté de cet hôpital, il y avait une dame qui faisait des sortes de... Ça s'appelle pas des snowballs, comme on appelle ici. C'était vraiment le nom. Je vais pas vous mentir, je ne saurais dire, j'ai oublié. Mais en fait, si vous voulez, c'était comme si en fait, vous aviez de la glace dans... Ou si vous aviez de la glace, en fait, dans un sachet. Mais une glace avec un goût et tout. Mais c'est dans ce sachet. En fait, tu le manges. Enfin, tu le manges, en fait, dans le sachet. Et donc, du coup, en fait, on allait souvent là-bas. C'était genre 50 cents, un truc du genre. Et parfois, en fait, on allait sous le morne, sachant qu'on ne devait pas y aller. Et on allait sous ce morne, en fait, et on montait. Et je ne sais pas si c'est des granités. Attends, je regarde, c'est quoi des granités? Si c'est ça. Je sais qu'on disait ça en anglais. Donc, du coup. Entre-temps, le fait d'avoir perdu mon anglais, d'avoir retrouvé mon anglais, bah, du coup, j'ai perdu le nom. Donc, je regardais si c'est des granités. Comment ils appellent ça comme ça ici en France? Non, c'est pas du tout ça. Pas du tout. C'est vraiment en fait dans une sachet. Genre, c'est sous cellophane, en fait, genre, vraiment. Et du coup, si vous voulez, quand on est monté sous ce morne, qui était près de l'hôpital, on faisait une grosse descente à chaque fois. On descendait la descente, on tournait, et en fait, ça nous permettait d'aller directement vers notre résidence. Et genre, sous cette résidence-là, sous le chemin, on est allé toujours vite, parce que du coup, on avait pris une grosse élan. Et après, il y avait des escaliers qu'on sautait, et genre, c'était petit comme des escaliers, genre, je devais faire peut-être en tout 7 marches, 8 marches, le truc. Et genre, on sautait ça, et après, on continuait tout le reste de la résidence. Et si tu veux, en fait, un jour, au moment qu'on allait en haut de ce morne, il y avait des potes, mes potes avec qui on faisait des combats illégaux de Toupie Beyblade, qui sont venus. Et ils ont décidé de faire des trucs avec nous. Du coup, on les a dit, OK, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y en avait un qui n'avait pas de frein. Et on lui a dit, mais non, frérot, tu ne fais pas avec nous la descente, t'as pas de frein, tu vas juste nous niquer. Sauf qu'il voulait vraiment le faire. Du coup, au moment qu'on est descendu, il est descendu avec nous. Du coup, on descend vite, on est en train de s'amuser, on kiffe notre vie. Et là, il y a un gars derrière moi, et le gars derrière moi, il m'appelle, il me dit « Mec, dégage !» Du coup, je me retourne, je lui dis « Mais pourquoi tu me dis de dégager ?» En même temps, je suis obligé de regarder devant, je regarde derrière, je regarde devant et tout. Et il me dit « Dégage !» Et quand je regarde derrière moi, le gars qui était derrière moi, c'est le gars, ce fils de pute, qui n'avait pas de frein. Du coup, je lui dis « Mais toi, dégage, je ne peux pas me dégager parce que les autres étaient à côté de moi. » Et genre, il y avait tout le monde à côté de moi, je ne pouvais pas sortir, me décaler parce que sinon, j'allais rentrer dans quelqu'un. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lui, ce débile, il n'avait pas de frein. Et que du coup, moi, par réflexe, je lui ai quand même dit freine, mais sauf que je savais très bien qu'il ne pouvait pas. Ben, il s'est tapé sa roue, en fait. Genre, ça, c'est lui, ça, c'est ma roue arrière. Sa roue avant a tapé la mienne. Sauf que ce n'est pas lui qui est tombé, c'est moi qui suis tombé. Et qui, du coup, a déboulé tout le morne. Genre, je suis tombé comme une merde. Genre, je suis fou. Je suis tombé comme une merde. J'ai déroulé tout le morne. Et après, bon, je me suis levé et je sais qu'il y avait des gens qui sont venus en voiture, qui sont en mode « Ouais, tu veux pas aller à l'hôpital et tout ?» Je disais « Non, j'ai pas vraiment envie d'y aller. » Parce que je savais très bien que si j'y allais, ma mère le savait et de base, j'avais pas le droit d'aller jusqu'au morne. Donc bon, du coup, je disais « Ouais, non, je suis en train de boiter quoi, je marche, je suis là, non. » Et il y avait d'autres personnes qui passaient, ils me disaient, ouais, t'es sûr que tu veux pas monter, peut-être que tu t'es cassé un truc et tout, il y a l'hôpital juste en haut, on peut regarder. Je dis, mais ne vous inquiétez pas, etc. Du coup, moi, je suis en train de descendre tranquillement, je suis en train de boiter en même temps. Du coup, je marche tout le chemin jusqu'à chez moi en train de boiter. Et qu'est-ce que j'ai sorti à Madoron? Bah, je suis tombé sur un doudane.
Voilà. C'est l'histoire. Il y a une autre histoire aussi, en parlant d'Oden. Il y a une fois, si vous voulez, il y a. J'étais dans une autre résidence qui était bien, bien avant. J'étais vraiment plus petit, j'étais peut-être au CP, un truc du genre. Et genre, j'avais des gens de mon, des élèves de mon, enfin, des élèves, des enfants de mon quartier qui faisaient du vélo aussi. Genre, ils venaient, ils roulaient, ils faisaient des roulings et ils passaient sous le dodan. Sauf que moi, je ne sais pas faire de rouling. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas faire de rouling parce que bon, j'ai pas eu le temps de continuer de m'entraîner qu'à vélo. Et je ne savais pas faire de rouling. Et pendant ce temps, ma mère, elle dormait et moi, je suis parti jouer avec les autres, avec mon vélo. Du coup, je les suis, eux, ils font leur rouling, moi, je passe tranquillement le truc. Et je me dis, bon. Ce serait trop cool que je fasse un rouling sous ce dodan. Du coup, au moment, ils ont dit, oh, ok, mais il n'y a pas de souci. Du coup, on est tous retournés au début du chemin. Et on a repris le chemin, on a roulé et tout. Et ils sont passés devant moi parce qu'ils allaient rapidement, plus c'était plus grand que moi, du coup, ils allaient plus vite. Du coup, ils sont passés, vont, vont. Ils ont fait leur rouling sur le dodan. Et là, moi, je suis en train de rouler, je prends de la vitesse. Et c'est à ce moment-là que je devais faire le choix de faire mon rouling ou pas sur le dodan. Du coup, je suis en train de faire mon vélo, je suis en train de rouler, pédaler et tout. Et au moment que j'arrive au dodan, je me suis dit, bon, ok, vas-y, je le fais. Et j'ai voulu lever ma roue. Sauf qu'en roulant, en voulant lever ma roue pour faire le rouling, je me suis tapé, enfin, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait un truc de merde et je me suis cogné d'un genre sous le dodan et je suis tombé comme une grosse merde sur le sol. J'étais blessé de ouf partout, genre je saignais genre presque sous tout mon corps, parce que j'étais tombé comme une merde et violemment en plus. Et bah après, je suis retourné voir ma mère en pleurant, et sauf que ma mère dormait, du coup, c'est ma cousine qui a pris la charge et qui a pris par la suite, a prévenu ma mère. Et moi, j'étais vraiment en train de pleurer parce que je suis en train de. J'ai saigné en fait. Oui. Merci, Dark Sasuke. Merci, merci. En fait, je sens que je vais regretter un moment d'avoir mis ce type, ça. Mais bon. C'est pour le divertissement, n'est-ce pas? Bon, allez, on retourne sur le jeu. Pourquoi c'est venu deux fois? Qu'est-ce que. Attendez, il y a eu un bug ou. Ah, mais non, non, ok, non, c'est normal, c'est parce que j'ai changé de scène. Ok, c'est normal, c'est normal. Du coup, je dois aller où? J'ai tabassé lui. Ah oui, je dois aller dans le village, je pense. En vrai, j'en ai fait des dingueries quand j'étais petit, hein, vraiment. Vas-y, attaque-moi là. Ping! Après tout ça, je comprends pourquoi tu restes un lézard. Bah oui, mec, j'ai fait tellement de trucs quand j'étais petit que maintenant, je me fais chier, ouais, quand je suis chez moi. Ouais, quand je suis hors de chez moi. Ouais, mais faites pas du 2v1 non plus, bande de bâtards, ouais, je. Vas-y, envoie-moi le feu sous la gueule, vas-y, vas-y. Hop là. Aïe. Oui. Aïe, arrêtez, arrêtez, arrêtez! Aïe. Aïe. Mes fils sont livides, à l'aide. Oh, je vous laisse, il y a moyen que je revienne. Ok. Bon, bah, à plus, hein. J'ai pas le temps de quoi me soigner, à l'aide. Aïe, il est amoureux de moi, là? Pas. Wesh, le critical, wesh. Oh la dingue. Bon, faudrait que je trouve un endroit pour me ravitailler parce que là, j'ai mal. Faut que je me soigne. Il y avait des carreaux dedans. Comment il a fait pour mettre ça? Comment il est monté? Ah ok. Pour sauter, pour saut aura. Ah ok. J'ai vraiment l'impression de parler avec des autistes. Hein. Enfin des... ouais. des personnes... ouais. Et j'espère qu'il y a un camp de feu ici parce que j'ai besoin... un feu de camp? Parce que j'ai besoin de me soigner. Fouiller le coffre. Ajoute des compétences à l'aide d'un couteau à aiguiser. Vous pouvez utiliser des cendres de guerriers pour octroyer des nouvelles compétences à vous. Oh! C'est grave cool.
Sans doute guerrier piétiné. Ok. Et il n'y a pas de quoi pour que je puisse me soigner, genre. J'aimerais bien pouvoir me soigner, moi. Hein. Vraiment. Alors. Ah, il y a un feu. Ok. Oh, merde, mais je dois me battre contre lui. J'ai pas envie. Non. Wish! Wish! Non, mais je veux t'endormir. Attends. Arrête! Non, mais je voulais juste me soigner. Dernier site grâce utilisé et figuit, je sais pas c'est quoi. Dernier site utilisé, je pense, je sais pas. Je sais pas trop. Laissez-moi jouer. Voilà. Je vais à l'église d'Elée. Ah, mais en vrai, ça va. Est-ce que du coup, j'ai la centre ou pas avec moi? Normalement, oui. Forcer une arme. Non. Bah c'est pas comme toi, je pense que ça fonctionne. Je comprends pas trop en fait comment ça fonctionne le système là des déguisages d'armes. Il y a eux qui connaissent le système ou pas? Parce qu'ils ont dit ouais tu peux aiguiser les armes mais je comprends vraiment pas. Ah. Non mais. Comment on fait? Utiliser sur toutes les armes de corps à corps. Non mais comment... Bon. On va pas essayer de comprendre. On part à la recherche de notre stuff et... on va avancer dans le jeu. On va voir si je souffre encore plus ou pas. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore dans mon enfance que je pourrais raconter? Parce que vraiment j'en ai fait des trucs. Hein, je... Capturer des iguanes, je l'ai déjà dit. Il y a quoi encore? Attends, capturer des iguanes. Il y a des possibilités d'avoir des vols de sang ou pas? Attendez, est-ce qu'on peut manger les bêtes de sang? Parce que si c'est ça, moi je pleure. Petit, non. J'ai fait la toupie. Comment ça, t'as fait la toupie? Et t'as fait la toupie. Oh, ok. Bah, c'est déjà ça. Donc, du coup, je sais que j'ai fait des iguanes, j'ai déjà raconté. J'ai fait les pif-pof. Je faisais de la Wii. Je faisais de la trottinette aussi, mais ça, c'est tout le monde qui faisait ça, ouais. Enfin, les gens qui avaient une trottinette qui le faisaient. Qu'est-ce que j'ai fait encore qui peut être très intéressant? Ah oui, ça fait. Ouais, les jeux de Pokémon, ça c'est normal, genre. Faire des combats Pokémon, mais genre avec les cartes Pokémon, c'est trop bien. Ça c'est une normalité. Enfin, pour ceux qui en avaient. Il y a des chats chilous. Des chats chilous. Allez, affronte-moi. Wesh! Arrête. Faut savoir que je suis vraiment nul hein, pour tout ce qui est Dark Souls, From Software, etc. Je tiens à préciser pour ceux qui viennent d'arriver. Je suis vraiment éclaté, donc bon. Chercher, ne lâcher rien. Comment ça, chercher? Chercher quoi? En fait, le truc qui me trigger un peu avec le jeu, c'est que j'ai vraiment... Genre, c'est un open world, mais il est trop open world à mon goût. C'est-à-dire que c'est genre, on te lâche dans le jeu, on te dit des rien de toi. Ah! Ah! Non mais les gars, non, mauvais bail. C'est vraiment une mauvaise chose. Non. C'est une mauvaise chose, les gens, arrêtez. Non, arrête, calme-toi! Lâche le regard. Cours juste. Oh, là, il y a un truc.
C'est juste de la thune, c'est de la merde. Laisse-moi tranquille. Je veux juste récupérer mon bien. Mon dû. Non mais vous êtes à l'endroit où en fait il y a mon truc. Les gars. Il faut débuter celui qui a le... Qui a le... la sirène là. Parce que c'est lui qui ramène tout le monde et c'est chiant. Mais le truc c'est qu'ils sont tous proches. Donc c'est encore plus chiant. Ah il m'a vu. Viens m'affronter. Affronte mon regard. Hop là, Ez. C'est bon, j'ai fini le jeu, c'est ça? Alors, récupère mon stuff et... Faut partir où? Ah non, me dis pas qu'il faut que j'aille dans le château. C'est le cheval de tout à l'heure là. Ah non, faut que j'aille dans le château. Oh, fais chier. Ils m'ont tous vu? Non. Ok, toi viens. S'il te plaît. Ici, ici, ici. Non, tu viens. Tu viens. Ah, faut peut-être tabasser le loup. Ok, lui. Wesh, 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 wesh. Calme, calme, calme. Tranquille. Lâchez-moi. Putain. Dodge, 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 dodge. Encore, dodge, dodge. Je dodge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Arrête. Lâchez-moi. J'ai pas de... Lâchez-moi. Laissez-moi tranquille. Ah. Laissez-moi. Arrête, lâche-moi. Laissez-moi. Je suis nul. Je suis pas fait pour ça. Laisse-moi tranquille. Bah, tu que je peux me soigner? Ouais, c'est ça, reculer, reculer. Vous avez peur de moi maintenant? Voilà, recule, recule. Bon, y'a pas même un truc pour pouvoir me soigner. J'ai tabassé un oiseau. J'ai gagné la bagarre. Non, vraiment, y'a pas un endroit où je peux me soigner, genre, parce que. Y'a pas genre un endroit où je peux remplir mes fioles? Y'a quelqu'un qui sait ou pas? S'il vous plaît, dites-moi dans le chat. Parce que j'ai vraiment besoin de me soigner là. Bon, j'ai vraiment pas un truc dans mon inventaire pour me soigner, genre. Kokimi a lancé ce lien pour fliquer. Ok, ça je m'en fous, ça. Masse de chair trop... Non. Y'a rien que je peux bouffer, hein. Y'a un table de craft. Genre un endroit où tu peux crafter. Non. Pas l'impression. Je peux pas encore. Fais chier. Bon, ben, on va juste courir vers la porte, hein, je pense. C'est ce qu'on va faire. Parce que si on part se battre, on va juste crever. Puis bon, ça me servira juste à gagner de la thune en vrai. Parce que ça soit worth. Vraiment, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai fait encore en plus, qui était grave intéressant. Et je vois pas. Je sais que j'ai fait des trucs encore plus intéressants, mais je sais pas. J'en rappelle plus. Ah oui, la première fois, la fois où j'ai fait une connerie, genre... Mais c'est une connerie pas assumée, j'avouerai. C'est-à-dire qu'avec un cousin, on se retrouvait souvent envoyer des rushs Flask Crimson Tear. Pourquoi tu me dis ça? En fait, on se retrouvait avec mon cousin à souvent envoyer des rushs. Enfin, si vous voulez, il y a un monde, genre c'est l'endroit où on se mettait à chaque fois pour jouer, etc. Et là, c'est la route. Et si vous voulez, mon cousin et moi, on avait souvent des rushs sur la route, on sait pas pourquoi. Vraiment, c'est des choses que je comprends pas pourquoi on le faisait.
Les flasques. Ok. Et donc du coup, ah mais en fait, il fallait vraiment que je me repose là. Ok. Bon, je vais attendre qu'elle finisse de parler, c'est une cinématique, et après je vais raconter le reste de mon histoire. Oh, elle est belle. I offer you an accord. Elle est belle. Have you heard of the Finger Maidens? Bon, du coup, comme je le disais, on envoyait des rushs, et en fait, il y a un jour, une voiture passait. Et nous avons envoyé une grosse roche quand même. Et ça a tapé, quand on a envoyé le truc, ça a tapé la voiture. On a entendu au bout de taper que ça a touché la voiture. Et on s'est cassé comme des grosses merdes. Genre vraiment, on a tracé. Parce qu'on ne voulait pas se faire voir en fait. Et je sais que mon cousin était parti chez lui. Moi, je suis resté couché sous le sol pour pas qu'on puisse me voir. Genre j'étais vraiment au ras du sol. Parce qu'on a envoyé le truc, on s'est couché, lui il est parti. Et après, j'ai attendu un peu, j'ai reculé un peu, et après, je suis parti, je suis rentré chez moi. Sauf que je pouvais pas rentrer vraiment tout de suite chez moi, parce que l'endroit où je vivais à ce moment-là, c'était près de, j'ai pas écouté, mais j'accepte. C'était près de la route, en fait. Du coup, je pouvais pas, genre, faire tout le tour, et rentrer chez moi, en mode, comme si c'était normal, il fallait se refaire un moment. Du coup, j'ai dû rester couché, me cacher un moment. Puis après, quand j'ai levé ma tête pour voir s'il y avait rien, bah, du coup, je suis rentré chez moi. Mais c'était marrant. C'est pas marrant pour la personne qui a subi, mais voilà. Monter de niveau. Oh. Je vais augmenter ma force et mon endurance. Ah, je veux pas plus. Qu'est-ce que... Bah écoute, j'ai fait des trucs dans ma vie. Hein. fiole. Ajouter une viole de dos. Oui. Quoi, j'ai pas de grain doré? Je vais améliorer au moins. J'ai pas besoin de magie, je suis pas un mage, oui, je... C'est tout, non? Moi, je pense que c'est tout. C'est pas mieux ton intelligence? Ben, en fait, intelligence, je crois que c'est pour les mages. Ah, connasse. Mais normalement, l'intelligence, en fait, c'est pour les mages. Et je t'emmerde. Mais c'est pour les mages. Je ne suis pas débile, d'accord? Je sais très bien que c'est ce que tu souhaitais me dire. Et si c'était pas le cas, ben, je t'emmerde quand même. Alors... Oh, ok. Moi, je suis pas mage, donc je vois pas le terrain en fait d'augmenter mon intelligence. Alors, j'entends des gros. Wesh! Non, 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 non. Non, 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 non. Tout, tout. Non, non, non. Mauvais bail. D'accord, tu m'envoies ton cri à la gueule et tu me fais mal, d'accord. D'accord, ok, mec. T'as peur du soleil, c'est ça? Ah, c'est entré dans ton œil, bâtard. Je vais le tuer comme ça. Hein. Merde, j'avais pas assez de flèches. Ah, donc t'aimes pas le soleil, enfin la lune. Ah. La tournure de... Comment on change de type de flèche? À l'aide. Aïe. Ah, c'était pas pour ça. Ah, ok. Bah... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi son cycle d'attaque? C'est quoi ça? Il y a des gens qui arrivent à jouer à ce jeu? Il y a des gens qui arrivent à finir ce jeu?
Mais regarde, je mise toutes mes attaques. Wesh. Il y a des gens qui finissent ce jeu. Il y a des gens qui speedrunnent ce jeu. Mais j'ai tout raté. Il y a des gens qui speedrunnent ce jeu. Hein. Wesh! Arrête! Arrête! J'ai plus de quoi me heal. Arrête, non. Ah! Et il y a des gens qui speedrunnent ce jeu. Non mais vous êtes des dégénérés. Vous êtes vraiment des dégénérés, c'est pas possible. Comment? Genre, il y a tellement de latence quand tu dashes. Genre, comment tu fais? C'est pas possible. C'est pas possible, je suis désolé. Ah, pourquoi mon truc de Last Follower, c'est Elementary, c'est pas update? Attendez, je viens de remarquer ça. Je vais actualiser. Qu'est-ce que... Merde. Pas normal. Bon, c'est pas grave. Pas très grave. Bon. On va le refaire. On va juste récupérer nos trucs là. Et on va reprendre. Bon. J'ai pas de flèches. Mais en fait, j'ai des flèches, mais je comprends pas comment on fait pour les changer. Mais bon, c'est pas grave. Si, c'est grave. Si, il faut que je les change. Se reposer. Ah, centre de guerrier, voilà, c'est ça. Comme ça, qualité. Et du coup, ça comment je fais plus utiliser l'attaque? Bon, je sais pas. Je crois que je suis soigné. Je suis soigné? Non, mais putain. Ce que je voulais faire. Je sais pas comment faire apparaître les TH, donc je ne saurais te dire, mais normalement je suis soigné. Bon. On va notre revanche. Regardez-le ce bâtard là-haut. Aïe. Viens, je t'attends. Arrêtez de me tirer dessus, c'est pas fun les gars. Arrêtez. Viens! Aïe! Non, mais la flèche elle est téléguidée, je suis désolé. T'es massé flèche, les flèches elles sont censées tourner droite et. Non, les flèches sont téléguidées, j'ai juré! C'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Allez, viens! Prête, bon toutou, viens. Non, trop proche. Wesh. Poisson. J'ai pas compris comment j'ai fait ça, mais je suis trop fort. Oh non, il prend son épée. Bam, dans les genoux, bam. Wesh.
Comme ça, j'ai raté. Non, mais le jeu. Comme ça, la petite boîte avec les boules. Attends deux secondes, parce que là, je... Mais plante le bon endroit. Mais débile. Touch, touch, touch. Non, non, pas encore. C'est la petite bouteille, la légume de soins. Bah oui, mais c'est ça. Bah je sais que c'est ça pour me soigner, mais je suis déjà soigné, regarde. Je suis soigné les 4 fois. J'ai changé en fait ma truc de mana pour des trucs de soins. Oui, je sais, t'inquiète. Putain. Je vais la voir, hein, vraiment. J'y crois. J'espère. Merde, faut que j'aille récupérer mes trucs avant de recrever. Là, on a pu le mettre quand même midlife. Je comprends pas comment on a fait, mais on l'a mis midlife. Donc en vrai, je pense qu'il y a un monde où on le tue. Vraiment, si on le tue, je suis heureux. C'est même pas un boss, c'est ça le pire, mais je suis heureux. Là, je vais être meilleur, c'est tout. Aïe. Elle saute. Et j'ai juré, les flèches, elles bougent, hein, regardez. Hein. La trajectoire, en fait, elle, même si elle te touche pas, la trajectoire, elle change. C'est du n'importe quoi, c'est des flèches chercheuses. Viens. Allez, frappe le sol, voilà. Ah merde, j'ai dû te taper sous la tête. Je crois avoir compris son pattern. Allez, attaque. On va attendre encore. Ok. Encore, s'il te plaît, attaque. Raté. Il va taper le sol. Ah, mais putain, mais je me fais attaquer par dans le dos aussi. Il a tué son mate. Il l'a porté. Là, mais non, c'était... Ah non. C'était le moment pour le planter. Je vais t'avoir. Je sais pas comment on fait plus de scène de capacité, mais... Toi, je le frappe au niveau des... Aïe. Et il va prendre son épée. Ok, c'est deuxième phrase. Deuxième phase. Dodge, 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 il va sauter. Ma tablette est tombée. Ma tablette est tombée, elle a pris toute la place sur mon bureau. Et je peux pas mettre pause. C'est un jeu en ligne. C'est la haine. Mon deuxième écran est tombé. Du coup, tout a bougé en même temps et du coup je suis mort encore, je suis la haine. Vraiment. Bon, allez, on réessaye. On va être meilleur. Genre vraiment, si je le bats, je suis heureux, j'arrête le stream là. Toi là-haut. Aïe, aïe, aïe.
Aïe. Non mais les gars, je me fais déjà utiliser une potion, mais arrêtez. Viens. Viens. Aïe. Non mais c'est pas juste là, c'est bon, la run elle est morte là. Allez. Putain, mais ça dodge. Ça prend trop de temps à dodger. C'est chiant. Il y a trop de latence pour dodge, j'ai juré. Allez. Réussir. Le jeu en train déjà de m'énerver, genre je sens que je vais pas continuer le jeu. C'est pas un boss, c'est ça le pire, c'est pas un fucking boss, c'est juste un gars, un mob. Putain, mais arrêtez. Allez, viens, s'il te plaît, viens, t'en supplie. C'est même pas un boss, il a trop la haine. Oui. Il y a trop de latence. C'est chiant. Y a trop de latence. En fait, c'est un jeu qui joue avec ta patience. C'est infernal. C'est vraiment infernal. Et sort ton épée. Dodge. Mais il est dodge. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Oui. Il a rien donné. Il a rien donné. Oui. On fout. Merci, merci. Bon, à vous là. Il a risque. M'en fous, je passe. Allez vous faire foutre. Allez, ça sert à rien de vous de t'affronter. Allez, c'est bon, je me casse. Allez vous faire foutre. Va te faire foutre. Non, laisse-moi tranquille. Tu me laisses. Non, tu me laisses tranquille. Non. Non, non, non. Non, laisse-moi, laisse-moi. C'est bon, j'ai la haine, là. C'est bon, je t'ai déjà battu une première fois, c'est bon. J'ai mon ego est rempli. Écrase tes mates, voilà. Écrase tes mates. Non, laisse-moi tranquille. Je vais pas te raffronter, non. Ça sert à rien de forcer Toufik. Arrête. Arrête, Toufik, arrête. Non.
Voilà, recule, recule. C'est ça. Rien de riche. Bon. On l'a déjà affronté une première fois. Je ne la réaffronterai pas encore parce que j'ai pas la foi du tout. Oula. Non, non, pas des loups. Non, vous êtes moche. Arrêtez. Voilà. Out. Vous êtes out. Aïe, aïe, aïe. Non, je ne vais pas mourir à cause de... Voilà. Votre des amis vous permet de remplir vos fioles. Oh! D'accord. Et c'est que maintenant qu'on m'apprend ça. Bah ouais, super le jeu, GG. Oh, ça brille. Je dois aller là? Ouais, je dois aller là. Je suppose qu'il y a encore une dame qui va venir me parler, c'est pas? C'est ça? Ah non, d'accord. Ah, c'est Milena. Salut Milena. Ah, ok. Je veux que tu montes mon niveau. Je veux que tu augmentes ma dextérité. Moi, je sais pas c'est quoi le truc qui me permettrait en fait de changer, de bouger sans que ça soit long. Vigueur, c'est les PV. Esprit, c'est les points de compétence. L'endurance, je m'en fous de l'endurance. La force, j'ai pas besoin. La dextérité, c'est quoi? Non, intelligence c'est quoi? Mais je comprends pas. Mais je comprends pas en fait. Genre... On va augmenter ma dextérité. Y a pas vitesse? Non, y a pas vitesse. Y a étorine, soit intelligence, dextérité, force, endurance et esprit et vigueur. Y a pas... Et je sais pas à quoi correspond en fait le fait de pouvoir dodge rapidement. Est-ce que même il y a possibilité de dodge rapidement en fait? Bye bye. Un truc là-haut. On va essayer de le prendre. Oh, il y a une dame. On va aller la voir tout à l'heure. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Pour saut, aura. Ah. Une clé lame de pierre, ça fait quoi? C'est pas énorme. Bonjour madame. Ok. Ça sort de côté. Oh bah merci pour la pause. Bah je vais partir vers l'arbre hein, du coup. Je crois. Je comprends pas en fait comment ça fonctionne le système d'indication. Genre ça me montre un truc mais je sais pas comment ça fonctionne. Bon. Je partir. Je vais suivre le chemin, on va voir ce que ça donne. Hein. Oh non, des méchants. Vous avez pas vu. Je vais pas en fait tous affronter en fait. Vous me voyez pas. Non mais c'est bon, j'ai juré. Le jeu est trop dur pour que je puisse m'amuser à affronter tout ce que je vois en fait. Pardon. Ah peut-être qu'il faut que je continue le chemin comme ça me ramène à un endroit où ça me montrait. Oh, oui, c'est ça.
Le mâton noir, la bâtard. Centre de guerre, frappe déchaînée. Oh. Mais même si c'est comment les. Je comprends pas. C'est quoi la touche pour pouvoir utiliser le. Oh. Ouais. Mais arrêtez. Et c'est qui le fils de pute qui me tirait de loin là? Ok, c'est moi, chez moi. Les ours qui sont broken, ouais, j'ai vu. Ouais, ouais. J'ai peur. Mais là, ce que je veux, c'est comprendre comment on fait pour. Touche de clavier, utiliser les compétences. Ok, attaque puissante, ok, ça j'ai compris. Compétences, ah! Ok, il faut faire shift clic droit. Maintenant. Bah c'est faux. Bah non, c'est faux. Mais je comprends pas alors. Utiliser objet, ok, shift clic droit, ok. Mais y a pas d'autres touches dans ce jeu de merde. Mais comment on fait pour utiliser les. Je comprends pas, je comprends vraiment pas. Aïe. Je comprends pas comment utiliser ces trucs, hein, vraiment. Wish. Mais arrêtez d'envoyer des flèches explosives, la putain de vos mères. Je vais crever, je vais vraiment crever. Aïe. Mais dites-lui de se gâcher, de se calmer, wesh. Il nous a tués tous les deux en plus. Ouais, c'est ça. Je vais voir si je peux du coup améliorer mon arme, mais. Centre de guerrier. Mais j'ai un autre truc, je comprends pas qu'est-ce que j'en fais alors. Puis comment on utilise les compétences, je comprends pas. Ça s'active tout seul, je comprends pas vraiment. Bon, sortir. Pardon. La fatigue. Tu utilises comment? Là, sous les haches et les masses, ainsi que les épées et espadons courbés, sauf les armes colossales. Bah, oui, mais bah, comment je fais? Alors, on peut les utiliser. D'accord, bon. Ouais, je veux bien que tu cherches pour moi, s'il te plaît. Parce que je comprends vraiment pas. Fais le tour parce que j'ai pas envie de me faire voir. On va occuper notre truc, je pense qu'on va juste tracer en fait. Ah mais là moi je suis mort en fait, il y a des gens, on est obligé de nous voir. Je suis...
Aïe. Oh putain, j'aurais pu le planter dans le dos et il serait mort en fait. Non, 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 non. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Wesh. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et tire sur nous, s'il te plaît. Vas-y, tire. Tire. Il veut pas tirer. Tiens. Non. Toujours pas. Ça t'enchante pas. Bon, bon, c'est pas grave. Hein. Hop là, moins un. Ah, moins un. Dodge, parce qu'il va faire deux fois. Non. Dodge! Pas loin de mourir, quoi. Et hop là. Donc c'est ça qu'il a envoyé dans ma gueule, ok. Mais maintenant il n'en verra plus. Grâce à Evan, mes découvertes. Ouais, vas-y, je vais en profiter pour prendre un mouchoir. Retourne au combat. Ah, cinématique. En vrai, le jeu, il est vraiment beau. Hein. Non, ne me dis pas que c'est un boss. Non. Non, 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 c'est pas un boss, non. Non, 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 s'il vous plaît, dites-moi que c'est pas un boss. Je vous en supplie, je vous en conjure, dites-moi que c'est pas un boss. Non, c'est pas un boss. C'est un boss. Mec. Wish. 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 Comment? Bah, ça dit la même que pour les commandes. Ok. Je sens que celui-là, je vais souffrir. Allez. On y croit. Je vais t'enculer. Pas deux fois. Qu'est-ce qu'il... C'est quoi ? Elle dirait un perso dans Naruto, il me dégoûte.
JQB, pas QB, le gars là qui a des tentacules là. Genre son... Je sais plus comment il s'appelle. Pas Obito, je sais plus comment il s'appelle. Quoi? Ouais, le démon pieuvre. C'est lui qui fait des trucs trop stylés et tout. Et il a des lames et il faut venir. J'ai plus de trucs à me soigner. J'ai plus rien. Il y a des gens qui finissent ce jeu. Ah, allez. Il nous faut un peu de concentration, je pense, les amis. C'est ce qu'il nous faut là, actuellement. Du coup, pour ça, on va mettre un peu des musiques énervées. Là, du coup, on sera vraiment énervé, on sera pas content et on va taper léger le boss. Facilement. Ok, allez, on m'appelle, il s'est énervé. Allez, là. Allez. On va le tabasser. On y croit ou pas? Est-ce qu'on y croit? Vous croyez en moi? Dites-moi que vous croyez en moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que je sais que je pue, mais... croyez en moi un peu, s'il vous plaît. Ok, je n'ai pas besoin de reculer tant que ça. Fils de pute. Il m'a fait un coup bas. Il me fait encore le coup bas! Pas de flèche. Je me fais tabasser. Allez, on va être meilleur, on doit être meilleur. Ouf. Allez, levez vos mains là, donnez-moi votre puissance, allez, on y va. Je suis motivé de fou là. Puis j'ai pas occupé ma thune, je crois. Du coup, j'ai perdu mes 1000 balles. Bon, c'est mort là. Ça commence mal. Mais il prend trop de temps à dodge, vraiment. J'ai juré. Tabas, c'est le cœur. C'est qui? Le Killer Bee, oui, c'est Killer Bee, voilà, merci. Attends, mais tu entends la musique ou pas, du coup? Ok, Ra.
Est-ce que... Pas très fort, oh, c'est pas grave. Mais il me fait des jutsu, il me fait des trucs partout, je comprends plus rien. Mais je découvre des attaques à chaque fois qu'il les fait. À chaque fois qu'il... Ce fils de pute arrête pas de développer des attaques à chaque fois que je l'affronte. Là, il a sorti une patin que je n'ai jamais vue. Je fais une dépression, je le sens. Je regardais autre chose. J'ai trop de dodge. Là, j'ai juste à dodge une fois. Tue-moi, s'il te plaît. Mais non, mais c'est un boss. J'ai envie de le skip. Je vais être meilleur, juste, c'est tout. Non, 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 moi je l'affronte, moi je suis un boss. Je dois l'affronter, je me dois de l'affronter. C'est faux, je sens que je vais le lâcher un moment, je vais juste courir derrière lui. Hein. Allez. S'il te plaît, saute-moi dessus. Non, même je suis assez distant, tu peux sauter, saute, s'il te plaît. Voilà. Je bloque, mais j'ai bloqué! S'il te plaît, saute. Saute d'ici. Saute. Bloque. Dodge. 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 Poisson, potion, potion, potion. Ok. Dodge. Il fait des patterns, je comprends pas d'où ils sortent. Voilà. Ça, j'aime bien cette attaque, je peux mieux t'attaquer. Dodge. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout avec ça? Dodge, putain! Il était presque mid-life! En fait, le vrai combat n'est pas contre le boss. Le vrai combat, en fait, c'est contre toi-même. C'est ça le truc qui est frustrant avec ce jeu. C'est que ce jeu, en fait, ce jeu te force à te battre contre toi-même. C'est-à-dire que pendant que toi, tu es en train de te fight contre le boss en pensant que tu dois te battre contre le boss, il évoque des armes de lumière, du coup. Ouais, c'est Noctis, en fait. C'est Noctis. Mais sinon, en fait, quand tu affrontes le boss, tu penses affronter le boss, d'accord? Sauf que le truc, c'est que tu n'affrontes pas le boss, tu affrontes contre toi-même. C'est-à-dire que tu dois... te bloquer mentalement pour que tu fasses un dodge en avance parce qu'il y a la latence pour pouvoir l'affronter, enfin pour pouvoir le taper après, avoir le pattern. Mais du coup le combat il est long et tu te bats contre toi-même pendant tout cela. En fait le vrai boss c'est pas le boss devant toi, le vrai boss c'est toi-même. En fait tu te bats contre toi-même, c'est un jeu de mazo. Je suis désolé, c'est vraiment un jeu de mazo. Faut être honnête un moment.
S'il y a un jeu de mazo, faut être mazo. Je suis désolé. Je domine pas trop comme moi-même. Ça me fait mal au cœur, wesh. J'étais presque midlife. Saute, s'il te plaît. Non, il va pas sauter, il va foncer sur moi. Mais j'ai dodge. Pas pour les mazos. L'esprit a la patience, mon cul, ouais, je... C'est, en fait, ça, c'est le genre de trucs qui sont pas faits pour moi, ce genre de jeu. Le fait de savoir que je ne peux pas faire ce que je souhaite faire à la manière que je souhaite faire, ça me rend claustrophobe. Genre, mais je suis pas enfermé dans une pièce. Enfin, si, je suis enfermé dans une pièce, mais ça me rend claustrophobe mentalement. Genre, mon cerveau ne supporte pas ça. Du coup, je commence à faire des hyperventilations tout à l'heure, je vais pas comprendre. Je ne supporte pas ça. C'est comme quand je porte des chaussettes, je ne supporte pas ça. Ok, ça, j'aime bien quand tu fais cette attaque. Dodge. Ça, c'est nouveau, ça. Il l'a pas fait tout à l'heure, là. Putain. Ah, d'accord. Tu peux sauter encore? Quoi? Mais il sort des patterns encore, des nouveaux patterns, fils de pute. Vous êtes joué contre un gars qui joue à Tekken de toute sa vie, genre. De me faire gifler, genre, je peux rien faire, je... Il m'écrase, genre, mentalement. Je fais une dépression, genre, je vais pas réussir dans ma vie, je vais être frustré. Ce jeu me détruit à l'intérieur, de l'intérieur, en fait. Non, la musique n'est pas assez énervée, là. Allez. Mais comment je dodge cette attaque? De quel côté je dois dodge? On va boire un peu d'eau, hein. Je pense que ça va nous réhydrater un peu. Non, mais je suis désolé, le jeu, il est fait pour ceux qui aiment bien se faire mal. S'il te plaît, viens. Saute, j'adore juste ce pattern-là quand tu sautes. Putain. J'ai compris. Ok. Dodge. Bloc. Bloc. Laisse pas me heal, arrête. Oh.
fait, c'est frustrant de savoir que Anne... En fait, tu peux parfois juste faire une attaque seulement dans ton pattern. Non. Vers lui. Dodge. Putain. Dodge. Dodge, vers lui. Dodge. Non. Sors ton épée fée. Oh, 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 je veux... Sors ton marteau, s'il te plaît. Je t'en supplie. Laisse-moi tranquille. Vers lui. Bon, j'ai compris comment dodge l'attaque, j'arrivais pas à comprendre. En fait, c'est un boss de bâtard. Tu dois pas fuir, en fait. Tu dois aller vers lui. Genre, c'est définitivement un jeu de mazo. Je suis désolé. C'est un jeu de mazo. Tu dois le dodge vers lui. Tu te bats contre toi-même, en plus, parce que mentalement, tu dois te battre contre toi-même. Non, mais le jeu veut ta mort, en fait. Genre... Si tu veux ta mort IRL, c'est pas possible autrement. Ah, je suis dépité mentalement là, j'en peux plus. Oui, j'aime cette attaque quand tu fais ça. Recule, 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 recule. S'il te plaît, fais une attaque, s'il te plaît, attaque. Ah, j'adore cette attaque. Maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait, j'adore cette attaque. Touch. J'ai grid. Putain. Une fois notre observation. Non, c'est pas un jeu d'observation, je suis désolé. Ce n'est pas un jeu d'observation. Surtout que à la clé, je vais avoir de la merde, d'accord? Je dirais que ce jeu sera bien plutôt si je récupère son épée. Si je récupère son épée, le jeu est bien. Si je récupère pas son épée, c'est un jeu de merde, d'accord? C'est un jeu de mazo, c'est un jeu pour les gars qui ne prennent plus de plaisir pour quoi que ce soit, donc du coup ils lancent le jeu, comme ça ils se battent contre eux-mêmes. Putain, j'ai mal dodge. Saute, s'il te plaît, saute. Saute. Ok. Recule, recule, recule. Recule! Ouais, ça va, son attaque jaune. DP! Ne fait pas très mal. Quatre seulement, ok. Un, deux. Merde. Dodge. S'il te plaît, encore une autre attaque où tu sautes, s'il te plaît. Non, pas cette attaque. Oui, celle-là. Oh, il m'a prank. J'ai dû observer son pattern pour savoir comment... Oui, c'est vrai, il est vrai, mais... t'as bien vu que parfois il te met des feintes, ouais... Normalement, dans le moment où il plante,
tu es censé pouvoir venir l'attaquer. Sauf que lui, il a sorti son épée et m'a attaqué, genre. Il te fait défendre le perso, wesh. Le boss, c'est un bâtard, wesh. Allez. Dès qu'il y a des gens, ils ont fait des no hit run Dark Souls et moi je me retrouve à me faire tabasser pour un jeu, pour un boss. Dodge, dodge. Ah non, en fait, dès que tu te mets près de lui quand il fait ça, il t'attaque. Ok. Vers lui. Mais quoi? Il va fêter! Tu dodges trop tôt. Du coup, en fait, il a tourné directement vers moi au moment qu'il allait faire son attaque. Allez. S'il vous plaît, croyez en moi. Je vais réussir à battre moi le premier boss du jeu, genre. Putain. Dodge. Vers lui. Dodge. Ok. Dodge. Putain, j'aurais dû faire un dodge sur le côté, je suis trop con. Dodge. Dodge. T'aimes trop faire ça, bâtard. Je vais pas revenir après toi, tu vas m'attaquer. C'est une fin de merde. Vers toi. Dodge, 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 s'il te plaît. Pardon pour vos oreilles si je vous éclate les oreilles. Wesh, bon, je suis fait avoir quand même merde. Bon, j'ai grid. J'ai grid. C'est bon, j'ai compris, j'ai grid. Ok. Putain, mais là, je dois prendre un nouveau pattern si c'est le pattern avec son marteau. Parce qu'il y a trois phases. Ce jeu me tue mentalement, il me tue de l'intérieur. Même Ganon, c'était pas aussi dur. Bah oui, il interagit avec l'environnement, ça serait un peu nul sinon. Allez. Vers lui. Je suis allé trop vers lui. Tue-moi, s'il te plaît. Merci. Ah. Wesh, mais c'est bon, je suis mort, là. Bon. En concentration. Je vais le faire. On va le faire. Je suis vraiment dépité là. J'ai plus la motivation, honnêtement. J'arrive pas à gérer, à comprendre sa range. Qu'est-ce que je fais sourd?
Dodge. Trop tard. Putain, j'avais oublié que c'était ce pattern là. C'est parce que l'angle n'était pas le même. On n'arrivait qu'à la première phase. Je suis débité là, j'ai plus envie de jouer. Putain. Pourquoi je fais ça? Vraiment, il n'y a aucune raison pour laquelle je fasse ça. Oui. Vers lui. Recule, recule. Putain. Mais c'est vrai que quand je m'approche trop proche, faut que je me bloque. Je bloque le coup. Vers lui. Maintenant. Dodge. Dodge, 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 recul, recul, recul. Faut pas que je m'approche de lui, là c'est une feinte. Non, non, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Oui. Mais j'ai regardé à côté, j'ai pas fait exprès. Putain, c'est vrai, faut que je me concentre. Mais c'est bon, moi j'arrive plus à me concentrer là, mon cerveau il en veut plus. Et saute. Dodge. Et saute.
Sors ton marteau. Sors ton marteau, s'il te plaît. Alors, c'est sur envie que tu sors ton marteau, connard. Voilà. Ok, tu fais ça. Ok. Musique est trop épique. Alors mieux zéro. J'ai toute la musique selon pouvoir réussir à le battre. Si je n'arrive pas, on arrêtera là. La musique c'est révolution pour ceux qui veulent savoir. Enfin c'est le nom de la musique. Ah, il peut taper avec sa queue, ok. Elle saute. J'ai grid, mais c'est pas grave, j'ai fait 5 coups. Vers toi. Et saute. Dodge. Putain, j'ai dodge trop tard. Dodge, dodge, dodge. Vers toi. Dodge. Ok. Une erreur. L'IA c'est bon, j'ai perdu. Je suis désolé. La musique me donne envie de retourner. La musique me donne vraiment envie de retourner. Je sais pas. J'ai envie de le faire. Mais je sais que je vais pas réussir. Je le refais ou pas? Je le refais ou pas? Bon, je sais pas ce que vous dites. Répondez pas, du coup c'est un oui. Allez, dernière tentative.
Ouais, dès que je suis resté à corps à corps, il fait pas. Allez, saute. Tu veux pas sauter? Tu veux plus faire ça? Ok. Non, c'était une opportunité. J'allais vers lui au lieu d'aller vers l'arrière. Elle fait cette attaque. Mais non, mais là c'est chiant, j'étais dans un mauvais endroit. Non! Je suis désolé. Je n'ai pas réussi. Je n'ai plus la force mentale. Je suis désolé. Peut-être qu'une autre fois, on réussira, mais... C'est la fin. Je m'en excuse. Attendez, parce qu'il faut que je trouve une musique triste là pour le, la mise au rythme. Attendez. Attendez deux secondes. Comment ça peut être déjà la musique? Fais chier. Attendez. Faut que je retrouve le nom. Merde, attendez deux secondes, hein, je... je laisse la musique en attendant. Faut que je trouve la musique comme ça, du coup, après je peux faire un truc triste. Et en plus, c'est la musique de Doom d'ailleurs. C'est celle-ci? Ah. Je suis désolé de vous avoir déçu, mes viewers. Je n'ai pas réussi à battre le premier boss. Non, mais la version Luffy est plus sa mère, attendez. Faut que je retrouve le nom, attendez. Pokémon X et Y Emotional Theme, c'est quoi le nom? C'est Unwaving Heart. Unwaving. Non. Mais c'est ça. Unwavering Remix. Non. Non, mais je passe ce remix-là, il est nul. Attendez, oui, putain, ça a cassé tout le truc. Attendez, attendez, attendez. Attendez, 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 attendez. Désolé, je veux...
Voilà. Normalement, vous entendez pas, vous entendez pas. Filtre. Vous entendez pas. À moins que j'ai démute le mauvais truc, système. Mais non. Bah. Attendez, j'ai du son, ça a aucun sens, attendez. Pourquoi j'ai du son qui sort de nulle part? Attendez. Et attendez. Et on va refaire le moment triste, hein, ne vous inquiétez pas, juste je veux régler ce problème. Voilà, normalement, si je mets ça. Mais pourquoi vous entendez pas? Mais c'est trop nul. Vous êtes censé entendre et tout. Genre, je suis trop triste, attendez. On va mettre ça juste temporairement. Mais non. Attendez, mais c'est trop nul, là. Bon. Non, mais je voulais la version originale. Ouais, c'est bon. Du coup, j'en étais où? Oui. Bon, je pensais que tout le monde est mort dans le chat, mais c'est pas grave. Du coup, comme je le disais, je suis désolé. Je n'ai pas eu la force de... comment dirais-je, de réussir à battre le premier boss du jeu. Je m'en excuse. J'ai fait de mon mieux. Là, je suis détruit mentalement. Je n'arrive plus du tout. Je pense que je ne suis pas assez fort et assez digne pour jouer à Elden Ring. Suis-je vraiment un gamer? Maintenant que je me pose comme question, suis-je vraiment un gamer, un vrai gamer? Est-ce que je me douche ou suis-je... Est-ce que je me douche pas plutôt? Est-ce que je suis un normise? Est-ce que je mérite vraiment ce titre de gamer? Je ne sais pas. Bon, en vrai, c'était cool. C'était cool. On va pas mettre ça parce que c'est nul. Animal Crossing. C'est bien une musique d'Animal Crossing. Non, 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 non. Voilà. Merci d'être venu sous ce live. Le live va s'arrêter ici. Ça va déjà stream presque pour 3 heures. Merci à toutes les personnes qui ont tips, c'est-à-dire Ake et Dark Sasuke. Je sens que d'ici quelques semaines, on va peut-être se retrouver en tenue de maid. En tout cas, merci à tous d'être venus sur ce live sur Elden Ring. J'espère que vous avez kiffé, pour ceux qui ont suivi depuis le début d'ailleurs. Et demain, je suppose que je vais live un peu plus tard, c'est-à-dire que je vais peut-être live vers... en heure de France, ça sera 20h heure de France, donc ça veut dire qu'ici, enfin, du coup, chez moi, du coup, en Guadeloupe, ça serait 14h à peu près. 14h. Enfin, je préviendrai sur Discord. D'ailleurs, en parlant de Discord, n'hésitez pas à faire point d'exclamation Discord dans le chat. Je le fais pour vous. Ne vous inquiétez pas. Comme ça, vous avez du coup le lien Discord. Et également, vous pouvez faire un point d'exclamation YouTube pour avoir ma chaîne YouTube. Là où je vais poster peut-être dans la journée la vidéo, enfin le stream d'aujourd'hui. Et bien évidemment, si vous voulez regarder la VOD, parce que vous n'étiez pas là depuis le début, vous allez faire juste point d'interrogation. VOD, my bad, sans le S.
Et du coup, vous aurez la chaîne VOD. Voilà. Pardon. Sur ce, on se retrouve demain peut-être. Je vous préviendrai à nouveau sur Discord et plus. Merci encore d'être venu.